Salut, j'espère que ça va bien tout le monde. Aujourd'hui, je fais comme un vlog vidéo de qu'est-ce que je vais faire de ma journée. En fait, on est samedi. Un samedi, Audrey ne travaille pas. What the fuck is that? Ben, en effet, j'ai congé. J'ai demandé congé parce que ce soir, je m'en vais à la cabane à sucre avec ma famille. Et j'en profite aujourd'hui parce qu'il fait beau. Pas chaud, fait genre 8. En tout cas, je t'en veste pareil là, parce que ça, c'est le dédain. Là, genre, je t'entends pas de m'habiller. En tout cas, fait que là, je m'en vais au Dollarama pour acheter tout du stock pour faire un jardin. J'ai enfin un balcon à mon appartement et on a vendu nos deux vélos parce qu'on n'en faisait pas. Et avec ça, dans le fond, tout l'espace qu'on a, je vais pouvoir justement aller, aller chercher des pots. Ben, je vais faire un jardin en pot. J'ai été à l'animalerie pour commencer. Déjà, l'animalerie pas juste chez nous parce que ma nouvelle ville, ben, je découvre qu'est-ce qu'il y a comme service. J'ai trouvé une animalerie. J'ai acheté des verres de farine. C'est dégueu, hein? Avez-vous déjà vu c'était quoi? C'est des verres. Arc! Je me l'ai mis tout partout dessus. Bravo, championne. En fait, c'est des verres de farine, c'est pour Jack. Parce que Jack, je pense... Ah! Je me l'ai mis partout! Wesh! C'est parce que je pense que Jack commence un coup de vieux. Il va avoir 5 ans cet automne, je crois. Ouais, 5 ans cet automne. Puis un hérisson, ça vit autour de 6 ans, 7 ans. Fait que je pense qu'il commence à avoir un coup de vieux parce que sa routine a pas mal changé. Puis tu sais, j'ai pas donné beaucoup d'insectes, même si c'est insectivore. Shame on me, I know. Fait que c'est ça. Bref, voilà. J'ai acheté des petits jouets pour Charlie. C'est quelque chose de super simple. Il était pas vraiment cher non plus. Lui était 99 cents, puis elle, 1,59. Petite souris, puis une petite balle. Je me suis dit que... Parce que Charlie, il a pas beaucoup de jouets. Il joue pas beaucoup, mais quand il y trouve, il joue. Fait que je me dis tout qu'il va en avoir, ben c'est ça. Puis j'ai acheté ça, je suis contente de l'avoir trouvé parce que mon ancien chat, en fait, le chat que j'avais avec mon ex Jinko, il tripait sur ces minouches-là. Puis là, je l'ai retrouvé. Puis c'est vraiment, je sais pas si on voit là, des vrais morceaux de poulet là. Fait que je suis sûre qu'il va triper bien raide là. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais essayer ça ici. Puis je vais aller, je suis aux galeries à Granby. Ça fait. It's been a while since I came here to Granby. En tout cas, excusez l'anglais là, le matin. Là. Ça fait un méchant bout que je suis pas revenue à Granby. Je vais peut-être aller voir mon ancien appart, juste, ben genre, passer devant juste pour scinder. Là. En tout cas, je vais aller acheter ça. Fait qu'on se revoit tantôt. Bye! Je marche dans le parking parce que j'avais les mains pleines. Puis il faut que j'aille au IGA. Puis le IGA est comme le bout du centre d'achat. Puis tant qu'à faire beau, il fait froid par exemple. Là. Tant qu'à faire beau, je marche. J'ai tout acheté plein d'affaires. J'ai trop hâte de vous montrer ça. Là. Le monde Montréal croche. Je vais arrêter tout de suite de filmer. Je suis pas vraiment à l'aise. Bon, là, il est 11h30. J'ai fait 3 plages. J'ai fait Dollarama. Il y avait juste du chou pour les seeds. Les graines de plantation. Je pense que c'était ça. Ensuite, j'ai fait IGA parce qu'il fallait que j'aille acheter 3-4 affaires. Comme vous avez vu dans le parking ou mon malaise, je sais pas pourquoi. Là, j'avais comme une poignée à malaise. Là. En tout cas, j'ai fait ça. Il n'y en avait pas non plus. Pourtant, j'avais pensé. Je suis allée chez Magépris juste en face. Il n'y en a pas non plus. Je dis merde, j'ai vraiment manqué la période des graines là, pour planter. Genre, what the fuck. Là, je vais faire de quoi que je déteste faire. Je vais aller dans un Walmart un samedi ensoleillé. Ouais, ça va être l'enfer. Mais je veux vraiment commencer mon jardin aujourd'hui. Là, fait que. Shit! Faut vraiment que je le fasse, là. Fait que, bon. Ah ouais, on the go! Tabarnak! Comme plein d'affaires partout. Puis là, c'est marqué les sacs de terre à une pièce là-bas. Oh my god! Là, le monde va virer fou ben raide. Shit! Qu'est-ce que je fais? Ah, faut que j'y aille. Je veux pas jouer. Je veux des graines. Ça sonne vraiment croche. Fait que je viens de finir de faire mon jardin. Fait que là-dedans, il va y avoir des tomates, de la laitue, des cocombes. Puis ça, c'est de la ciboulette, mais c'est comme une terre que j'essaie de récupérer. J'ai mon petit tapis. Puis comme vous voyez, j'ai comme fait un contour, sauf là. C'est pas parce qu'il m'en reste, c'est parce qu'il va y avoir le barbecue, puis je le vois comme que ça s'embrasse. Là, les tarabes qu'on voit, je m'en vais les couper, là. Mais sinon, c'est ça. Salut. Vas-y. Tu peux y aller, mais... Vas-y. Tu peux y aller. Vas-y! Voyons, t'es bien sage! J'ai acheté cette souris à Charlie, puis il arrête pas de jouer avec! Il est pas trop cute! T'es là, ma petite souris, Charlie! Il la met dans sa bouche, il part avec! Hey, coucou! Tu l'as échappé! Oh, arrête pas de jouer avec! Oh, je te vois contente! Oh, t'es trop drôle!
Fait qu'il est environ 3 heures, pas vrai, pas en tout, il est 2 heures, ben 2 heures moins 10. Salut la mort! Fait que c'est ça, là je suis présentement assis dans mon lit avec le bordel de linge que je dois serrer éventuellement, mais que je repousse le temps fatidique où je devrais le faire. Là, j'ai terminé seul mon balcon, j'ai fait la vaisselle, si t'entends un bruit en background, c'est mon lave-vaisselle en passant. Là, il me resterait juste à me préparer, mais je suis encore un peu trop tôt. Puis là, je suis en train de scroller YouTube, là, puis mes abonnements. Puis vous savez comment que je suis une fan finie de Doctor Who. Ouais, attendez. Aller chercher ma couverte de TARDIS pour vous annoncer la nouvelle. Bref, la BBC a enfin dévoilé le nouveau compagnon du docteur. Et je vous en ai parlé, je pense, dans un de mes vlogs, que le compagnon, celle qui faisait Clara, c'était mon chouchou. Puis là, j'appréhendais tellement le nouveau compagnon, genre, t'as pas ta place, non, va-t'en. Ok, j'arrête de niaiser, là. C'est juste, tu sais, quand on s'attache tellement à un personnage, là, puis qu'au final, ben, c'est ça, ça marche juste plus. Ou en fait, ils ont fait le tour, fait que là, ils changent de personnage. Ça, c'est dans Doctor Who, ça, it goes on and on, tu sais, ça change, puis ça évolue. Mais maudit que j'ai de la peine, là! Ça juste pas d'allure comment que j'ai de la peine. Parce que là, ça a comme bouclé la boucle, là, si je peux dire, là. C'est comme, c'est officiel, là. Et mon personnage préféré est plus là, puis elle sera plus, là. Même si je le sais que c'est officiel, genre, elle est plus là, point. Je capote tellement, genre, tu sais, quand on s'attache à quelque chose, là, ça pourrait vraiment être fucké dans la tête. Ah! Oh, TARDIS, ici! Fait que c'est ça, fait que là je suis en train de me dire qu'il faudrait que je fasse quelques des petits ménages, des affaires de même, mais ça me tente vraiment pas. J'ai juste ce que je fais depuis tantôt, puis je vais aller voir mon hérisson, voir de quoi qu'il a l'air, parce que là ces temps-ci ça va pas très bien son affaire. Mais tu sais, mon Jack il commence à devenir un peu vieux. Je l'ai eu en 2012, ça, sa vie. Excusez, je ferme ma fenêtre là. J'ai eu Jack en 2012, puis tu sais, ça, sa vie environ 7 ans, le mien va avoir 4 ou 5 ans. 16. 4 ans? Non. Il va avoir 4 ou 5 ans, puis c'est comme. Comment ça semble des vieux? Puis je pense que sa routine elle a vraiment changé, puis comme de fait, c'est quoi de pas normal? Jack se cache toujours dans le fond de sa cage, puis là, il est vraiment sur le bord de son trou, là. Attendez, faut que je vous montre. On le verra pas. Il est juste là. Oh, un petit nez. Coucou. Oh. C'est ça, fait que je sais vraiment pas. Des petites habitudes comme ça, ils mangent moins, puis tout ça. Puis genre, j'étais en train de me dire, si je parlais avec le gars de l'animalerie, tu sais, je sais que les animaleries, excusez, là, je vais pas insulter personne, là, mes animaleries, vous vous connaissez absolument pas dans les hérissons, c'est vraiment les éleveurs les meilleurs. Bref, quand même, juste pour parler avec le gars, là, j'essaie de ça tantôt, puis là, c'est ça qu'il m'expliquait, il disait, ah, il commence à avoir un âge vénérable, ton hérisson, du sens qu'il commence à être un petit vieux. Fait que tu vas voir, il va dormir plus souvent, puis tout ça, puis comme de fait, le mien, il mange moins, puis il dort plus. Je l'entends presque plus de faire de l'exercice, je n'entends rien, je n'entends pas. Donc là, je me pose des sérieuses questions à savoir, genre, ok, ben là, pauvre petit coco, malheureusement. Fait que c'est ça, fait que là, je pense que je vais aller laver sa roue, parce que ça fait trop longtemps que je l'ai pas lavé. Charlie a adopté sa petite souris, puis là, il est en train de se reposer de son combat avec la petite souris. Fait que c'est ça, fait que là, je suis en train de me tourner en rond, puis de l'écœurer, cette petite chose. Like! Il me regarde avec une face. Ouais, de me niaiser. Ah oui, il faut trop que je vous montre ça. Je me suis trouvé ça au Walmart, coloriage anti-stress. Là, tout le monde est là-dessus. Ça s'appelle des mandalas. Puis, il y en a full, là. Ils sont tellement beaux, là. Là, je trippe, là. Je vais pouvoir commencer à colorier ça. Puis c'est ça, il était 9,99. Je le trouvais un peu cher sur le coup, mais pas tant. Tu sais, j'ai comme vu des plus chers au Renaud-Brée, fait que ça a fait waouh, je vais m'acheter ça.